Et vous remercie aussi d'apprécier la manifestation qui va commémorer un grand européen, on va dire bon, pour une dernière fois d'origine indienne, même guadeloupéen avant tout. Voilà, je suis venu tout simplement rendre hommage. D'abord, cette dame, bien bonjour. Je suis venu tout simplement rendre hommage à un Guadeloupéen. Voilà. Tout simplement. Voilà. C'est-à-dire que Pierre-Édouard Décimus, pour ceux qui ne le savent pas encore, hein, qui viennent d'arriver en Guadeloupe, Pierre-Édouard Décimus a créé le. Oui, alors donc il a créé le groupe Kassav, et si on se rend compte effectivement, Kassav fait ce qu'on appelle en Guadeloupe l'unanime monde entier, et je tiens absolument, mesdames et messieurs, si vous voulez bien, lui faire une standing ovation, monsieur Pierre-Édouard Décimus. Ce jour-là, franchement, ce jour est venu, mesdames et messieurs, je suis vraiment ému parce que c'est mon père, c'est vraiment un papa, c'est vraiment un père pour nous. C'est un père pour moi parce qu'en 79, j'étais encore un peu jeune, un peu plus jeune qu'aujourd'hui. Mais franchement, il nous a apporté vraiment mais, de l'espoir. Et cet espoir n'a pas espoir mal papa. Et ça peut continuer, ça peut être final d'être là. Ça va continuer. Le plus longtemps possible, très loin, peut-être... Je suis au quatrième millénaire, quand tu commences le troisième millénaire, et je suis convaincu qu'on ira encore plus loin que le quatrième millénaire. S'il y a quelque chose, franchement, que Kassav me rappelle, c'est bonjour. Effectivement le Kassav, c'est le manioc. Hein? Je vais demander. Mesdames et messieurs, oui, le maître a demandé de s'asseoir, c'est bien. Donc voilà, Kassav c'est le manioc, et le manioc, vous en savez quelque chose, à Capesterre, le Kassav, la Kassav c'est vraiment très important. Et bien voilà, donc la présentation, donc le noyau, en fait, qu'est-ce qu'on a voulu faire? Eh bien, on a voulu faire le nous, d'accord? Et comme le yo existe déjà, puisque le yo c'est le monde, mais le yo existe déjà, mais nous, nous existons. Mais est-ce que nous existons véritablement en tant que nous, en tant que je? C'est-à-dire chacun de son côté. Donc en fait, les Indiens d'un côté, les Noirs d'un côté, les Blancs d'un côté, les Mulâtres d'un côté, etc. Donc forcément, nous, ce qu'on voudrait autant que possible, c'est comprendre une bonne fois pour toutes que Guadeloupe est un. Cette graine, en fait, nous allons planter un moringa et un caroupilé. Excusez-moi, moi, mes notions d'indien ne sont pas très élevées. Je fais ce que je peux, hein, je ne parle pas. Hindi, c'est ça, l'hindi, c'est ça? Voilà. Voilà. On a un spécialiste parmi nous, donc M. Negrit, qui est notre consultant sur la manifestation. Applaudissez Monsieur Negrit, hein, du CGPLI. Nous avons. Henri Sidambarom est né le 5 juillet à Capesterre Vélo, où il commence ses premières classes. Il est à 7 ans scolarisé après pré-capitre chez les frères Pourermel. À 17 ans, il perd sa mère, quitte ses études et trouve rapidement du travail à Basse-Terre au service de l'immigration, poste d'observation qui lui permettra d'avoir une documentation exceptionnelle, hélas perdue. Il se marie à 19 ans, en 1882, et a 7 enfants. Il quitte Basse-Terre pour être commerçant à pré-capitre. Et il est élu conseiller municipal en 1987 sur la liste de Charles Danaé du parti de Légitimus. Il est maçon à la loge des disciples d'Iram en 1883. Il retourne se fixer définitivement à Capesterre Vélo comme épicier quincaillier et se présente aux élections municipales en 1904 comme tête de liste. Sa liste triomphe, mais il n'est pas élu maire. Alors, il démissionne. Ses activités ne sont pas pour autant arrêtées. Il est président de la section de la Ligue des droits de l'homme et du citoyen. En 1910, il crée une association mutualiste, le Bol du travailleur. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il accepte d'être juge de paix à Capesterre tout en gardant sa plume au service public.
Le 4 juillet 1987, le comité guadeloupéen de l'année de l'Inde inaugurait le buste d'Henri Sidambarom avec cette inscription « Hommage à Henri Sidambarom, 1893-1952, défenseur des droits des Indiens. » Mais qui est cet homme qui mérite tant d'honneur? Ce qu'a fait Henri Sidambarom prend tout son sens profond quand on se rappelle les difficultés sociales, économiques, politiques que rencontraient les Indiens arrivés en Guadeloupe en 1854. L'Indien est un immigré, travailleur de la terre, engagé pour ses 5 ans sans droit. Il n'est pas citoyen français, il n'est pas électeur, inéligible et n'est pas assujetti au service militaire. Le problème se pose pour les descendants des Indiens, ceux qui aussi sont privés des deux droits, de dignité. Henri Sidambarom consacre une partie de sa vie pour que les Indiens recouvrent la citoyenneté française. Il lutta sans relâche par ses écrits dans le journal de Légitimus, La Vérité. Sa grandeur d'âme et sa témérité pour un Indien à cette époque était due à sa naissance dans la caste des Brahmanes. En 1904, il relança la machine judiciaire pour obtenir l'inscription des Indiens sur les listes électorales. Les lenteurs administratives, les entraves à la justice ne les découragent pas. Les lettres multiples adressées aux parlementaires et aux ministres témoignent de sa ténacité, et de sa volonté d'aboutir à une solution juste pour les Indiens. Il réclamait sans cesse l'application de la loi pour les siens et obtint justice le 21 avril 1923 par une dépêche du ministre des Affaires étrangères et président du Conseil régional. Le conseil Raymond Poincaré, les fils des Indiens nés en Guadeloupe, dont français. L'ensemble des écrits d'Henri Sidambarom forme une opuscule intitulée Procès politique. C'est un document précieux pour la communauté qui explique les difficultés de l'émergence de la conscience indienne. En conclusion, une rue à Capesterre, Bello, porte son nom. Une stèle lui est consacrée à Fond Cacao, Capesterre Bello. La ville de Basse-Terre l'honore pour une avenue et une stèle inaugurée lors du jumelage de Basse-Terre et de Mondi-Chéry en 1981. Mondi-Chéry ? Oui, bon, Mondi-Chéry, en 1981. Il meurt le 15 juillet 1952 à 89 ans. Henri Sidambarom est un des rares épris de justice, philanthrope et généreux. Il est l'exemple pour la conquête des libertés et le respect des immigrés. On comprend pourquoi le Conseil général est à l'origine de la création d'un comité Henri Sidambarom, comme du comité Légitimus de Guadeloupéens qui prennent place dans l'histoire de la Guadeloupe. C'est un rapport de M. Paul Moutsami. Merci. Merci beaucoup. Et bien voilà, donc maintenant nous applaudissons Monsieur Jacques Sidambarom. Là, il y a un I, mais c'est un Y. Hein. Voilà, donc je passe la parole à Monsieur Jacques Sidambarom. Bonjour à tous, Monsieur le représentant du maire, Messieurs les élus, Messieurs les présidents d'association, chers amis et parents, merci à vous tous et encore bonjour. L'association No Ayo, présidée par M. Servais Vilovar, a souhaité notre partenariat pour commémorer le 156e anniversaire de la naissance d'Henri Sidambarom. Proposition que notre association, créée en 1988 par le Conseil général de la Guadeloupe, a accueilli avec beaucoup de plaisir. Aussi, mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir bien voulu résulter de l'orientation impulsée dans les faits quotidiens de notre population et n'est aucunement contradictoire
avec la démarche socio-économique que prenait Henri Baron. Cette orientation constituée de l'apport irréfutable de nos ancêtres, mais une palette variée de l'Afrique et de l'Inde, et bien qu'affinée, affectée par un émiettement dû à notre adaptation à cet environnement caribéen, est un socle commun sur lequel se construit inexorablement le futur des générations nouvelles. Cette culture guadeloupéenne, dans une large définition, comprend des fondamentaux qui sont en Guadeloupe régulièrement abordés. Les symboles, les rites, les héros, par exemple Delgrès et ce matin Sidambaro. En se réunissant ce matin pour commémorer, nous faisons un pas de plus vers le possible d'une communion d'idées garante d'un développement harmonieux de notre avenir. En synthèse, connaître et reconnaître l'autre. Mais qui est cet homme et qu'a-t-on retenu de lui? Mon prédécesseur vous a brossé un bref tableau de sa biographie. Né à Capesterre, Henri Sidambaron est un Guadeloupéen. Alors, je vais revenir sur un peu sa biographie, parce que dans un premier temps, Sidambaron s'est occupé exclusivement de ses congénères indiens. Il était à Capesterre et côtoyant régulièrement la misère de ses gens. Ce n'est qu'à Capesterre que sa vie prend un tournant et que sa pensée s'infléchit vers le processus d'émancipation des Guadeloupéens. Sidambaron, c'est l'homme d'un procès, c'est l'homme du droit de vote et c'est l'homme de la nationalité française pour ses travailleurs opprimés. Mais il y a encore plus, quelque chose de plus profond. Il a surtout été, comme l'a dit le Conseil général de la Guadeloupe, dans sa délibération d'octobre 1950, il a été l'apôtre de l'émancipation des travailleurs indiens. Et j'ajoute, l'artisan de leur évolution économique. Les faits. L'immigré indien est venu par nécessité purement économique. Le révérend père, curé de la Guadeloupe, avait prédit en l'an 1600 que la culture de la canne à sucre pourrait aisément remplacer la culture du tabac et du péton et des légumes nécessité absolue pour les Guadeloupéens. Mais il avait surtout ajouté que cette culture de la canne pour la production du sucre nécessitait une main-d'œuvre très abondante. Et c'est ainsi que sont arrivés en Guadeloupe, par vagues successives, les main-d'œuvre serviles d'origine africaine. En 1848, c'est au tour des Indiens de débarquer dans les ports de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre. Et c'est de ces conditions que le père d'Henri Sidambaron et que tous les Indiens sont arrivés en Guadeloupe. Donc l'immigré indien est venu par nécessité purement économique, c'est-à-dire une main-d'œuvre pour l'économie sucrière de l'île. Muni d'un contrat d'engagement d'une durée de 5 ans, renouvelable et assorti de la possibilité de retour en Inde gratuitement. Mais ils sont représentés par le syndic de l'immigration, dont chaque habitation est affectée. Malgré ce luxe de précaution, cet engagé indien, sous la plume de Victor Schœlcher, est ceci. Leur état civil n'est pas déterminé. Frappés des capacités légales, ils n'ont pas de droit qu'ils puissent invoquer. Ce sont les syndics de l'immigration qui instent pour eux en justice. Ne sachant pas le français, ils n'ont même pas le moyen d'exprimer leurs besoins et leurs plaintes. Le soi-disant immigrant indien n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. C'est un outil à deux bras, une chose,
Les engagés indiens sont à la merci de leur engagé. Il existe cependant, aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique, des habitations qui ne sont cultivées que par des Indiens marrons. Ce n'est donc pas le travail qu'ils fuient, mais les privations, les rigueurs, les sévices dont ils sont victimes chez les engagés. Quelques statistiques brèves. À Cap-Esther, en 1863, il y a 14 naissances. Et en face, il y a 56 décès. 1 pour 5. C'est une statistique récurrente sur toute la durée de l'immigration indienne. Et le meilleur ratio, c'est une naissance pour 3 décès. C'est dire la catastrophe humaine se passe en Guadeloupe au niveau des travailleurs. Ce travailleur anonyme, martyrisé, méprisé, ces femmes déshonorées, le lendemain retirées mortes dans les caniveaux des routes dont elles participent à la construction. Par exemple, la confection de la route départementale de Sainte-Marie à Doyon. Je vous ai donné quelques statistiques, le rapport de 1 pour 3. Comment comprendre alors, dans ces conditions infernales, que certains sont restés dans cet enfer? Et pourquoi? Tout simplement, ayant de bonnes connaissances dans la gestion foncière, la possibilité de se porter acquéreur de surface consistante, au vu et au su des économies réalisées et rapatriées, certains décident de s'installer définitivement en Guadeloupe, le plus simplement du monde. Des auteurs ont avancé un nombre d'environ 9000 retours en Inde. De nombreux ont été contraints de rester sur place, maintenus parfois de force par les usiniers, gros consommateurs de main-d'œuvre, ce qui les exonérait également de déboucher pour le million retour. Quelques faits apportent une éclaircie à ce sombre tableau et confortent ce stade froid. Dès 1863, à partir des premiers retours d'engagés en Inde, en Guadeloupe, leur sont confiés pour être déposés à Pondichéry. Et selon un chroniqueur de l'époque, ce sont d'importantes sommes chiffrées et comptabilisées à hauteur de 860 000 francs en 1863. 860 000 francs d'économie. Découvert qui était emporté par ses rapatriés pour être déposé à Pondichéry et être remis à leurs parents. Il s'agissait donc de leurs propres économies, mais également des sommes destinées aux parents restés en Inde. Ce chroniqueur autorisé ajoute que vu les cachettes utilisées par ces Indiens en partance pour l'Inde, il faut doubler le montant de ce transfert. Nous serions donc à plus de 1 500 000 de l'époque. C'est dire la force de frappe de l'Indien dans son principe de l'économie et de sa participation dans l'économie guadeloupéenne et de sa capacité à thésauriser de l'argent pour investir dans le pays. Cette découverte n'est pas banale. Elle a une profonde répercussion sur l'économie de l'île. Donc cette fuite de capitaux vers Pondichéry a une profonde répercussion sur l'économie de l'île. L'antenne de la Banque de France en Guadeloupe, qui s'appelait à l'époque l'Institut des missions situé à Pointe-à-Pitre, ayant constaté dans ses décomptes une notable diminution de la masse monétaire en circulation sur le territoire guadeloupéen, ce qui les inquiète, ils alertent les autorités locales. La découverte des transferts cités précédemment incite les autorités à prendre rapidement des initiatives très fortes
par l'ouverture de la caisse d'épargne pour susciter ce travailleur à thésauriser auprès des banques et autres caisses d'épargne en lieu et place de ses emplois réconditionnés. Cette demande d'ouverture de caisse d'épargne avait déjà été demandée lors préalablement à l'abolition de l'esclavage pour permettre aux esclaves émancipés de thésauriser leur économie et de les impliquer dans l'économie locale, ce qui n'a jamais été concrétisé dans les faits. Devant l'urgence du danger de cette contraction de la masse monétaire, la Banque de la Guadeloupe est inaugurée en 1863 à Pointe-à-Pitre. Elle enregistre alors les premiers dépôts des immigrants indiens. Autre activité de cet immigrant, il est petit commerçant, journalier, colon parentière, entrepreneur, propriétaire foncier, et ce, dès 1863. Voilà pourquoi ils sont restés en Guadeloupe. J'ajoute que nombre d'entre eux étaient dans leur pays de la classe paysanne et les autres, après l'apprentissage dans les champs de canne, ont continué sur cette lancée en devenant colons partiels et petits propriétaires. Il faut ajouter le facile passage à l'élevage bovin. Resté en Guadeloupe, malgré le calvaire enduré dans l'économie sucrière, ce travailleur immigré pèse sur l'économie du pays, mais en contrepartie et immédiatement, les tracasseries administratives, les freins et les blocages arrivent très vite. Mais ils ont résisté à tout, ils ont survécu, ils existent, ils sont présents ce matin. Voilà les éléments de réflexion qui devraient tempérer les critiques et comprendre leur choix de s'installer dans cette île. Mais commence alors la pénible évolution. Les premières difficultés apparaissent. Le créole est leur langue vernaculaire. Mais estampillés du statut d'étranger, ils stagnent. Aucun droit à une scolarité est contraint d'adopter la religion et la langue du dominant. En effet, une délibération de 1885 du Conseil général remet au goût du jour l'orientation des enfants indiens vers les champs, car, dit le Conseil général dans sa délibération, les enfants des Indiens sont là pour aider leurs parents dans les plantations et les remplacer à leur décès, mais en aucune façon pour avoir une scolarité. L'engagé indien est donc bien attaché à la terre, sans voix, sans droit et sous statut d'étranger. Devenu guadeloupéen par choix personnel, il reste en fait un sous-ordre. Si le baron, après son périple de master à Pointe-à-Pitre, connaît les arguments pour démocratiser ce système post-esclavagiste. Il attend la période des élections municipales pour les propulser sans incitation à une forme de contestation par usage de la violence, mais vers l'expression démocratique, c'est-à-dire lors des scrutins électoraux et sur leur inscription sur la liste électorale qui est la première porte. En les propulsant vers les urnes, c'est l'ouverture des portes de la démocratie, ascenseur de leur émancipation. Je vous épargne les péripéties du procès politique qui s'ensuit. Je vous épargne les difficultés de ces travailleurs lors du paiement de leur livraison de canaux d'usine, les discussions sans fin dans une langue dont ils n'ont pas la maîtrise, etc. Droit de vote.
nationalité française reconnue par M. Raymond Poincaré en avril 1923, scolarisation de leurs enfants, voilà l'escalier de leur émancipation et de leur évolution. Je reviens sur le propos de M. Poincaré qui, en 1905, écrit à M. Cicéron, sénateur de la Guadeloupe. M. Poincaré écrit ceci. Le problème de nationalité des fils d'Hindou, soulevé par M. Henri Sinobor, est des plus complexes. Il a confié ce dossier à son garde des Sceaux, qui a tranché et reconnu qu'Henri Sinobor avait raison. Et c'est ainsi que M. Poincaré, en avril, le 21 avril 1923, envoie un télégramme au gouverneur de la Guadeloupe pour permettre aux Indiens de s'inscrire sur la liste électorale. Et par voie de conséquence, ils sont français. Donc je ne veux pas être trop long sur les événements significatifs qui émaillent cette période. Mais je tiens à vous énumérer quelques faits. En 1922, après tapitre, M. Lakshman Singh, entrepreneur d'origine indienne, et M. Baladine, qui travaille dans l'administration locale, après tapitre. M. Lakshman Singh a son dossier de soumission à un chantier de construction de la ville et refoulé par l'administration, n'étant pas français. M. Karoupé Ramasamy, dit Ramasamy Kibaye à Saint-François, est dans la même situation. Il écrit au gouverneur individuellement en demandant de lui accorder la nationalité française pour qu'il puisse continuer à exercer légalement son activité commerciale à Saint-François. Et ce ne sont pas des cas isolés. La liste est longue. Je vous les parle. C'est dire l'importance du procès gagné en 1923 par Henri Sinobor. Pour, premièrement, que Sinobor a géré un procès pour la demande du droit de vote qu'il gagne tous ses congénères. Deuxièmement, par déduction, leur nationalité française. Je vous rappelle à tous, pour mémoire, que l'Algérien sous l'Algérie française, n'avait pas le droit de vote. En 1962, un résumé du parcours. Sur place, et quelle que soit sa profession originelle en Inde, l'Indien est affecté dès son arrivée sur le sol guadeloupéen à une habitation sucrière. Il est coupé de canne. Sa femme et les femmes travaille à la construction des routes en 1880. Je vous ai parlé de confection de la route Sainte-Marie-Douillon. Et ainsi, au fur et à mesure, l'Indien découvre les activités propres au pays et les potentialités existantes. L'Indien est frugal, économe, et certains envoient leurs économies par les rapatriés en Inde à l'issue de leur mouvement. Qui partent en Inde à l'issue de leur mouvement. De nombreux deviennent colons partiels, propriétaires terriens, car ils se sont lancés très rapidement dans des acquisitions foncières. Petits commerçants et propriétaires d'entreprises. Et c'est là que commencent, pour ces immigrés installés dans la colonie, de nouvelles difficultés, des tracasseries administratives. Citons deux écueils majeurs, la maîtrise du français et la nationalité française. Sinobor, à la surprise générale, alors que le jeune Indien né en Guadeloupe est destiné à l'habitation, Sinobor est scolarisé. C'est un coup de force inédit en Guadeloupe.
son cycle scolaire terminé à 14h, parce que l'école arrive à un certain niveau, il faut poursuivre après chapitre pour Abaster. Sinon, reçoit là un soutien inattendu. Le système du colonisateur, pour intégrer mieux les immigrants, a dépêché sur chaque habitation un curé pour les inciter, selon l'article 13 du règlement intérieur. Je rappelle au passage que le règlement intérieur, c'est l'équivalent du code noir. Donc à l'article 13 de ce règlement intérieur, il est stipulé que les autorités doivent dépêcher sur chaque habitation un curé pour évangéliser les Indiens, les inciter à la bonne parole. Sinobarum, donc, le jeune Sinobarum ne va pas au champ, mais il est scolarisé. Les instituteurs à cette époque sont nommés par arrêté du gouverneur. Les institutrices, les instituteurs et institutrices catholiques sont également nommés par le gouverneur. Et en 1855, Théodora Bonafé est nommée institutrice religieuse à Capesterre. Précision, lorsque Joseph Sinobarum arrive de l'Inde, il est affecté à Grand-Rivière sur l'habitation qui est la propriété de M. Bonafé. La relation est très vite faite. La sœur Théodora Bonafé soutient et encourage la candidature de Sinobarum à l'Institut de l'externat Joseph de Pléonel à Pointe-à-Pitre. Et c'est ainsi qu'il est à Pointe-à-Pitre, lycéen, et à 17 ans, au décès de sa mère, il abandonne cette ville et retourne dans sa commune natale. Et grâce à Colbert Fleurot, il est recueilli dans l'administration des contributions. Il est commis au service de contribution de la commune de Rochester. Fort de cette acquisition dans le service fiscal, il prend conscience quand même que cette formation était suffisante. Il demande sa mutation à Basse-Terre à l'administration intérieure, le ministère de l'Intérieur, dont le bureau à Basse-Terre s'appelle la direction de l'Intérieur. C'est une antenne du ministère de l'Intérieur de Paris qui est installé en Guadeloupe pour faciliter les prises de décision. Après un séjour à la direction de l'Intérieur, maîtrisant maintenant le fonctionnement de l'administration en Guadeloupe, il demande sa mutation au bureau central de l'immigration indienne et là il est en contact avec tous les dossiers des immigrants indiens. Il découvre que la misère ne frappe pas seulement les travailleurs indiens, mais tout le prolétariat guadeloupéen. À Basse-Terre, il est véhiculé par Arona Salon, un ancien immigré ami de son père, qui habitait ici même sur l'habitation Source Pérou. Et à l'issue de son contrat, Arona Salon et Carré Lachon se sont installés à Basse-Terre. Donc, ils introduisent Sinobarum dans tous les milieux de la ville de Basse-Terre. Et l'incite à assister le soir aux délibérations du Conseil Général. Arona Salon l'emmène dans les cercles philosophiques et Sinobarum rencontre quelqu'un qui lui assure une formation dans un cercle philosophique. Et c'est à Basse-Terre, dans le chef-lieu, la pensée de Sinobarum opère un tournant capital et qui l'amène à ne plus voir la misère de l'Indien isolé, mais l'existence misérable du prolétariat guadeloupéen. Les délibérations au Conseil général lui permettent de découvrir que c'est dans cette enceinte que se prennent les décisions pour construire, améliorer le sort de leurs voisins. Il se décide alors, au vu de l'importance clé du Conseil général en Guadeloupe, il décide de se lancer dans la politique. Et là, il quitte son poste de fonctionnaire et se rend à Pointe-à-Pitre où il est logé
chez un oncle, Adolphe Sinabarom. Et là, concrètement, mais à Basse-Terre, il était inscrit sur la liste électorale et votait régulièrement lors des scrutins. Donc, à Pointe-à-Pitre, il se lance officiellement dans la politique. Il se fait inscrire sur la liste de Charles Danaé. Et en 1896, il est élu conseiller municipal de la ville. Il s'occupe des rapports budgétaires pour la commission des finances. En 1900, son père, malade, lui demande de retourner à Capesterre. Il s'installe chez son père et celui-ci décède en février 1901. Lors de la préparation des élections municipales de la commune en 1904, il se prépare et présente une liste qu'il conduit. Malheureusement, le fait d'inscrire les Indiens sur la liste électorale a créé un tollé dans la commune et M. Tarsis, joint aux usiniers, alerte les autorités gouvernementales qui demandent au gouverneur d'intervenir. Celui-ci cite Sinabarom au tribunal et c'est ainsi que débute le procès politique des Indiens au tribunal de Capesterre en 1904. C'est alors que l'action de Sinabarom prend tout son sens. Il faut que ce travailleur immigré hostile, comme tous les autres, pèse sur les choix politiques pour sortir du carcan post-esclavagiste de l'époque. Mesdames, Messieurs, ce socle socio-culturel construit au fil des ans est la brique qui serait utile à ceux qui veulent construire la Guadeloupe de demain. Je terminerai par le mot du poète. Quand je pense au lieu où j'ai risqué ma vie, j'y crois voir à ma place un visage étranger. Je vous remercie de votre aimable attention. Applaudissements bien fort, M. Jacques de Baroque. Ça fait plaisir que vous étiez parle de son grand-père comme ça. Hein? On aimerait bien. Oui, alors donc, nous retenons effectivement que l'histoire continue, puisque M. Sinabarom s'est arrêté en 1904, on est arrivé en 1923, donc M. Sinabarom a eu 19 ans. 19 ans de procédure, mais je tiens à préciser une chose, s'il vous plaît, ne soyez pas fâchés pour ce que je vais vous dire. Il n'y a pas eu de sang coulé pendant les 19 ans de procédure. C'est pas partout dans le monde qu'on aurait pu obtenir les droits civiques sans sang couler. Et ça, c'est très important pour nous. C'est pour ça que nous, Ayo, insiste énormément sur cette question-là. C'est-à-dire que ce monsieur est ressenti comme étant un nouveau Gandhi. Et tôt ou tard, d'ailleurs, le Gopio, je ne sais pas si le Gopio est là parmi nous, tôt ou tard, il y aura une statue. C'est un scoop, monsieur Sinabarom. Hein? Il y aura une statue bientôt. Hein, voilà, une statue bientôt en Inde de M. Sinabarom, ça veut dire Kapamunakuyonan. Et s'il avait inventé un vaccin, eh bien, on aurait dit son Guadeloupéen. Alors, c'est un Guadeloupéen ou c'est pas un Guadeloupéen? Est-ce que tous les Guadeloupéens inventent un vaccin pour être Guadeloupéen? Bon, donc voilà, donc c'est important, pendant 19 ans de procédure, c'est important, il n'y a pas eu de sang coulé. C'est-à-dire que quand M. De Vipar, d'ailleurs Madame Cancel va nous faire le texte de tout à l'heure de Monsieur De Vipar, vous rappelez de Sergo, Serge De Vipar, Sergo, hein, qui t'en nous voyant les tombes à Sergo, hein, d'abord, un mot de raison d'ailleurs. Bon, et donc Sergo, eh bien il a dit que c'était sans colère, et elle nous dira ça tout à l'heure. Et donc mesdames et messieurs, je tiens à accueillir, accueillir, façon de parler, la municipalité de Capesterre chez elle-même, à la personne de Monsieur Ramassin. Et ensuite, nous aurons la région. Ça nous fait plaisir aussi de vous accueillir à Capesterre. Merci beaucoup. Messieurs le Président, c'est Jacques de Bavard, Monsieur Bolivar. Villoba. Toutes les personnalités ici présentes, mon ami Dessouli, ça me fait plaisir
d'être aujourd'hui à l'honneur dans cette manifestation. Mes chers collègues, population Cap-Estrie. Tout d'abord, permettez-moi d'excuser M. le maire Joël Beaujean, absent du département, puisque mardi après-midi, en tant que président de la communauté d'Aglo du Sud-Astère, il y a une signature, une convention ministérielle qui va être signée avec le Premier ministre. C'est pour cela qu'il ne peut pas être avec nous ce matin. Mais l'ensemble de la municipalité, y compris le maire, participe et partage plein de manifestations, surtout pour la mémoire d'un grand homme, un grand capestérien, un grand guadeloupéen. Et quand j'ai entendu, ça fait quelques années, à chaque fois que j'entends tout le passé de cet homme, tout le travail qui a été fait, Capestère commune, Capestère Bello, est vraiment une commune de combat. Et c'est pourquoi j'ai envie avec le maire, il va inviter Capestère de découverte, mais aussi Capestère de combat. Puisque tout ce qui a été fait au niveau de finalement, les luttes qui ont été menées au niveau de Capestère Bello, je me rappelle, comme mes parents disaient, ils nous racontaient l'histoire de Souvain, après nous avons entendu à l'école comment mettait en valeur Christophe Colomb pour la découverte de la Guadeloupe à Capestère Bello. Mais ils ont oublié de nous dire aussi que Christophe Colomb a fait du mal aussi aux Capestriens, puisque à son arrivée, il y a eu beaucoup de Caraïbes et beaucoup d'Orientaux qui ont été tués. Donc vous voyez que Capestère, les familles capestriennes se sont toujours battues et continuent à se battre. Et je crois qu'il y a eu quelques améliorations au niveau de la Guadeloupe, une petite île, mais qui a une richesse d'histoire au niveau de l'humanité mondiale. Et quand on entend parler de la Guadeloupe, pour certains historiques, c'était une grande histoire mondiale, la Guadeloupe n'est pas une île inconnue. Et quand nous attendons aujourd'hui, peut-être bientôt, il y aura la statue dans le cinéma en elle, c'est une manière aussi d'exporter nos savoir-faire au niveau des luttes que nous avons beaucoup menées au niveau de la Guadeloupe. Je crois que à chaque fois qu'il y a eu une demande, quelle que soit la manifestation, il met en valeur cette richesse capestrienne, y compris aujourd'hui en Isle-de-Baron, c'est sans hésitation, le meilleur Joël Beaujean et son équipe, sans hésitation que nous participons à cette manifestation. Alors je voudrais quand même te dire, mon ami. Là, nous avons le président. Oui, je l'ai dit. Mais Mme Sérol de la région va faire une petite photo. Oui. Après, nous, tu vas parler. Je voulais quand même te dire que tout à l'heure, tu disais que la Guadeloupe doit se réunir, doit se rassembler. Parce que ça a expliqué nous et l'eau. Mais il faut savoir que Capestère de l'eau a déjà.